Franca, nous avait présenté Vesman dans le quintet de mardi à Châteaubriant. Le cheval reste sur des belles prestations en province. Elle vient de gagner à Toulouse un grand prix devant Henri Simer, donc c'était très bien. Par contre, avant, elle avait fait des petites blagues à Vincennes pour cause d'erreurs de manipulation, hein, des boucherets qui n'a pas plu, et puis il n'y a pas un lasso que je n'avais pas mis. Donc les deux fois, il était qualifié, c'est pas vraiment de sa faute, mais la forme est là, quoi. Ouais, et puis il a l'air de se plaire sur les parcours en main droite. Bah, c'était pas un bon droitier il y a deux ans, et puis là, c'est vrai que bon, Toulouse, c'est une belle piste, et il s'en est bien sorti. Châteaubriant, c'est un peu équivalent, quoi. Déféré des quatre pieds, il n'a pas les 5 ans à affronter, il est idéalement placé au gain. Qu'est-ce que vous en attendez? Bah, disons qu'il faut être assez fort à Châteaubriant, parce qu'il faut beaucoup de tenue, donc il ne faut pas faire trop le premier tour, mais après il peut faire un bon dernier kilomètre, il adore ça, il adore être caché. Je pense qu'il est capable d'être dans les 30 premiers, si c'est pas le tour. Toute proportion gardée, il faut le mener un peu comme Hakim du Cap-Vert. Voilà. Même si à Toulouse, j'avais le nez au vent, donc on peut dire qu'il, quand il est ensemble, il supporte tout, mais il ne faut pas non plus abuser, quoi. En plus, il a l'air de bien encaisser les courses. Ouais, bah, les courses, les voyages, non, je pense que c'est vraiment un bon cheval qui revient avec l'âge que je pensais lui il y a 3 ans, quoi.